Je vais être très court parce que, comme l'a dit Isabelle, c'est vraiment Roger que vous êtes venu écouter. Moi, je me rappelle, il y a quelques temps, au Conseil Général, on parlait avec le président du Conseil Général de l'époque, un peu librement, et il nous disait quelles étaient, à son sens, les caractéristiques pour être candidat à une élection majeure, à une élection présidentielle, mais également dans une ville, à un moment donné, dans un département, dans une région. Et je me rappelle très bien, ça m'avait marqué, il avait dit deux choses. Il avait dit, le candidat qui va gagner, c'est celui que les habitants de la ville, les habitants de la région, croient le plus sincère dans son engagement. Et l'adéquation entre l'engagement de Roger Karoutchi et son travail au quotidien pour cette région, elle n'est pas à démontrer. Roger, c'est le combat de sa vie, cette région Île-de-France, et je crois que c'est le premier argument majeur. Et puis le deuxième, très clairement, c'était qu'il disait, un candidat, c'est quelqu'un aussi qui a plein de bosses, qui a plein de sparadors, qui a rencontré souvent des difficultés, qui s'est battu, qui a connu beaucoup de combats, qui a l'expérience de la chose. Et Roger, il a ces deux caractéristiques, et c'est notamment pour ça que je soutiens.